Coucou, bonjour, me voilà sur les deux dernières pages de mon carnet qui a déjà été fait avec des fonds à la gel presse et un tamponnage, enfin différentes choses que j'ai fait en avance dans ce petit carnet. Là, je vais encore le garnir un peu plus. J'utilise, je crois que c'est un tampon de chez Action, ou est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a offert, je ne sais pas, mais je crois que c'est un tampon de chez Action. J'utilise de la peinture rouge. Alors là, j'avoue que je ne suis plus trop motivée parce que bon, hâte que cela aille mieux, que je puisse reprendre les choses correctement en main et surtout me rendre compte vraiment de ce que je fais, ce que je réalise. Heureusement que j'ai ce petit carnet. Alors, j'ai fait d'autres petits coloriages sur le papier de soie, Ah, ma Simone, je suis fatiguée aujourd'hui. C'est vrai que, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Ben alors, ne parle pas. Si, je vais parler. Les mêmes traces que j'ai fait sur une autre vidéo, j'ai continué sur mon papier de thé, de récupération de mes sachets de thé. J'en ai fait plusieurs comme cela. Ils sont d'avance. Je vais les coller dans ce carnet. Là, j'avoue que j'ai plus trop envie de. Bah, plus trop envie, c'est que là, je ne sais pas faire mieux. J'espère pouvoir faire mieux bientôt. Mais bon, c'est pas encore demain la veille. Et là, je colle une chose sur l'autre. Là, je ne me prends pas la tête. J'ai juste envie d'avoir les mains dans la patouille. Et pour une fois, vous voyez, même la colle ne me dérange pas. Même j'ai envie d'avoir les mains dans la colle. Voilà, donc je colle ça que j'avais préparé la dernière fois. Enfin, de temps en temps, quand mes papiers de thé sont secs, je mets un peu de Posca, enfin un peu n'importe quoi dessus, histoire de me dire que je fais quelque chose. Alors là, le matin, ça va, on arrive à rester un peu dehors sur les chaises, il fait frais. L'après-midi, il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. Après, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants, d'avoir de la visite. Et bon, on a passé vraiment de bons moments ensemble. On a enfin, quand les enfants sont réunis, bon, c'était super génial. Au moins, ça qui est bien. Voilà. Et là, je pense, j'ai fait le même système papier aquarellable, non, papier, crayon aquarellable que j'ai disposé à gauche, à droite. Et puis. Je colle, je mouille le papier pour essayer d'estomper, je remets du crayon de couleur aquarellable dessus et je me contente comme cela. Voilà ce qui est génial dans ces choses-là. J'espère que vous avez passé un bon été. De toute façon, il n'est pas terminé. Par contre, oh là là, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Le mois de juillet a passé à toute vitesse. Et voilà. Et là, ça repasse à toute vitesse. Alors là, bon, c'est vrai que j'ai eu une bonne coupure avec ma visite. J'ai eu finalement pas mal de rendez-vous. Même pour le mois d'août, j'en ai encore beaucoup. Mais voilà, ça avance. Alors oui, voilà, là, je vois parce que vous savez que je fais le replay, la voix off en accéléré, en replay. Et je me rappelle à mesure, mais voilà, j'ai remis des crayons de couleur aquarellable. J'ai remis un coup de spray, il me semble, par-dessus. Enfin bref, Simone, jamais tout à fait satisfaite. Donc elle patouille et repatouille dessus. Donc de toute façon, je vous remercie de regarder mes vidéos, de prendre le temps
de regarder comme cela. Je n'arrive pas à faire de live. Je vais en refaire plus tard. Enfin, bref, c'est parce que là, j'arrive encore à me mettre les vidéos en ligne avec le concours de mon mari, mais de faire des lives, de lui expliquer tout, comment faire, et surtout, je vous dis, chez nous, une fois on capte, une fois il faut régler les pieds pour poser la tablette d'une façon et la fois suivante absolument d'une autre. Donc, je ne veux pas aller là-dessus, c'est dommage. C'est dommage, dommage. Je fais un bord, je trouve que ça sort pas trop bien, mais je m'en contente. Je veux dire que c'est extraordinairement beau. Ah, voilà, Simone, fais-toi des compliments pour pouvoir continuer. Je sais plus quoi vous dire. Là, je fais des écritures. Bon, ben, je griffonne avec mon Posca. N'a rien d'autre à dire. Vous voyez bien que j'ai la petite forme qui va revenir bientôt, bientôt, bientôt. Je vais pas mettre la vidéo en ligne. Je suis trop dans la tristitude, c'est pas joli la tristitude. Alors j'ai rajouté du Posca, j'ai même rajouté des crayons de couleur, quoi. J'ai patouillé à gauche, à droite pour essayer de réveiller un peu cette création, mais je crois qu'elle est comme moi, elle est un peu en dessous du niveau. Donc, on a beau essayer de relever le niveau, quand c'est en dessous, il faut le temps de nager un peu jusqu'à la surface. Bon, ben, de toute façon, j'ai plus le choix. Je vais pas repatouiller dessus. Ce sera ma dernière création. Je vous dis, j'aurai plus que la page avant et la page arrière à faire. Mais je pense pas les faire là. Je pense attendre pour faire un peu plus joli. J'ai mis carrément du feutre, je sais même pas lequel que c'est. Je sais pas si c'est du fluo ou de l'autre. Toujours est-il, c'est du jaune. J'ai essayé, c'est pour essayer de réveiller un peu toute cette création. Bon, finalement, elle est pas mal. Ouais, j'ai rajouté du bleu foncé sur les dalles. Bon, ça va. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci de votre passage.